Qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Mais en fait, je viens de me craquer le dos, j'allais crier, je me suis mis en arrière comme ça et puis je me suis fait mal au dos. D'accord, bah tu peux crier. Voilà, ben, non, du coup, je pense que je vais crier de déception. Vous avez vu la dernière vidéo, on a même pas mis un titre racoleur à la con, on a vraiment dit que c'était le coffret de la déception. C'est vrai. On a dit bonjour aux gens là? Eh ben, bonjour. Bonjour, parce bonjour. Que moi j'en connais qu'on peut dire bonjour et se sont fait niquer leur mère. Donc, Oh, pas mal, pas mal. Alors, donc voilà, donc on se retrouve pour l'ouverture de mon coffret Tocorico en espérant que ça va se passer mieux que celui de Paul la dernière fois. Ça peut pas se passer moins. Honnêtement, ça peut pas se passer moins bien. Le seul truc qui peut être pire, c'est d'avoir des cartes anglaises. C'est d'avoir des cartes anglaises ou alors d'avoir trois rares, mais encore moins bien que celles qu'on a. Ah bah, ouais. Bon, c'est dur. Mais voilà, si vous voulez perdre 5 minutes de votre vie, n'hésitez pas. Voilà. Et donc cette vidéo s'annonce fort croustillante. C'est croustillante, pourquoi pas? Bah restez croustillant comme disait... Ah oui, un mec de notre classe, qui ne jamais notre vidéo. C'est ça. Bon allez, je vais découper tout ça, ouvrir tout ça, charcuter un peu les cartes, ouais, je vous ai montré ça à l'arrache. Voilà, c'est celui-là. Ben me fait tousser, bon ben à tout de suite. Voilà le cancer, bisous. Ok, bon on a ouvert tout ça, on vous remontre un petit coup la boîte. Ouais, voilà. Les deux copains. Celle qu'on a ouvert dans la dernière vidéo de Paul la mienne, voilà. Ils ont plus de charisme que nous. Quoi. Ouais, salut Tocorico. Ouais, bon voilà. Alors... Mais tu sais que c'est le... Vous savez peut-être pas, mais... Je pense que les gens qui connaissent pas Pokémon et qui nous disent on fait des vidéos, machin, je suis sûr ils s'imaginent on fait des scénarios avec Pikachu, machin, c'est vraiment le truc de gamin, de prendre des Playmobil, tu les frottes, enfin moi je faisais ça. Ouais d'accord, très bien. Voilà. Je me frottais au Playmobil. Pour faire du feu. Ok, donc voilà, on commence avec un booster Dracaufeu qui, alors non pas qu'il porte forcément chance, mais en tout cas qui bénéficie d'une certaine aura qui je préfère va me faire avoir des bonnes, j'espère va me faire avoir des faut bonnes cartes. De l'anti-transfert. Smogo. Pourquoi? Laura. Ouais non, j'ai raté en fait. Ah oui d'accord. Une blague avec Auréole, j'ai raté. Indice du prochain crise. On les canne même plus, on s'en fout. Oh là là, franchement. XY12. Allez hop, Starry, voilà, on connaît. On les a adorés ces cartes et maintenant on les supporte plus. Quoi. Electek, un lien spirituel Flyer de son reverse, c'est possible que je l'avais pas, mais bon, à mon avis je l'avais. Et un Staros de merde. Voilà, donc vous l'attendiez, le fameux Staros qu'on a eu plus de 150 fois. Ouais, bah voilà, bah tu vois, on voulait savoir ce qu'il y avait de pire que celle que t'as eue dans ton booster à la dernière vidéo. Ouais, bah celle-ci est au même niveau. Ah, je pense même qu'elle est pire. Ça. Franchement, je pense. Ah non, parce que moi, Staros, elle est un peu plus cool quand même, quoi. Ouais, enfin, c'est vraiment en tirage, je pense qu'elle sort très souvent. Ouais, allez. Bon, alors là, maintenant, si t'as une autre hyperbole, je crois qu'on peut faire affaire. Bah si j'ai une autre hyperbole, je te l'achète. Franchement je te suce la bite si j'ai une gomme. J'ai pas envie. Si j'ai une gomme ou une rainbow, je te suce ta petite bite. Non, j'ai pas du tout envie. Alors Malasadamaxi, Otarlet. Pour ceux qui suivent la chaîne, donc vous savez le gros tirage qu'on a eu, on a eu plusieurs gros tirages, mais le gros tirage c'était l'hyperbole gold. C'est vrai. Elle a baissé de moitié prix maintenant. Cosmac, me dis pas ça, je vais pleurer. Oh, déjà c'est pas trop mal. Bon là, je crois que celle d'après est pourrie, mais c'est pas grave. C'est Lolo Reverse. C'est ça, tout à fait. Un Cristabri de merde, en rare. Bah décidément... Tu l'avais Lolo Reverse ou pas? Oui, je l'avais, mais je pourrais l'échanger contre lui. Donc quelqu'un de vraiment sympa aujourd'hui peut vous vendre l'hyperbole à 45-50€. Ouais, bah moi je la vendrais pas. C'est quand même cher, hein, c'est quand même cher. La mienne, elle est complètement neuve, parfaitement cadrée, sans point blanc, c'est-à-dire que je la vendrais. C'est une carte qui vaut cher parce qu'elle est très jouée. Mais j'ai vu des mecs vouloir la mettre en PCA, PSA. Moi, pour le coup, c'est parce qu'ils aiment vraiment la carte, j'espère. Parce que si c'est une histoire financière, tu joues pas en tournoi. What the fuck? Quoi? Ah non, je croyais qu'elle devait pas être retournée cette carte. Si, si. Alors, énergie électrique, repousse, Scarabrut. Chronoball, vous les connaissez aussi, hein. C'est relou autant pour vous que pour nous. Là, si t'as de la merde, concrètement, c'était deux coffrets ridicules. C'est clair, c'est clair. Cosmog, Onchio, Goélise. Ah bah voilà, une autre holo reverse. Oh, putain, t'as deux holo reverse, genre. C'est déjà mieux que rien. Un Lucanon en reverse et. Ah bah un Rubon Bell en holographique. Bon bah écoute, c'est de la merde. Holo reverse, c'est un peu de la merde, honnêtement, on va pas se mentir, mais bon. Ouais, c'est déjà mieux que. On appellera comment cette ouverture? L'ouverture. L'ouverture. On l'appellera l'ouverture mais c'est déjà trop fait, tu vois, je voulais un... L'ouverture, tu peux faire un bruit avec la bouteille de coca pour qu'on ait un peu ton sentiment sur cette ouverture? Oh, elle a pas assez... je le blinderai, je mettrai du gars à dos. Bon ben voilà, ben écoutez... Et ben c'était bien minable, on est même limite déçu d'avoir fait ça. Moi je suis un peu déçu d'avoir... Non, pas commander à cet endroit-là les coffrets, mais d'avoir investi dans ces coffrets-là. C'est ça, en fait, c'est ça. Qui sont des petits coffrets qui sortent de temps en temps. Tu vois, c'est un peu l'équivalent des coffrets avec les pins pour Mimiki.
Sauf qu'à la place des pins, c'est une promo, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment... Un coffret à 3 boosters, c'est un peu juste, surtout des anciens boosters. Non, c'est vraiment pas cool de la part de Pokémon Company. Bon, et ben en tout cas, voilà, on remercie le vendeur Tangiems, donc on l'aura... Moi, je l'aurais tagué dans les vidéos. On vous remercie de continuer à suivre. Donc ça, c'était des petites ouvertures pour vous faire patienter, parce que, comme vous l'avez compris, des fois, on fait du pas très gros, mais du souvent... Et on va aussi faire du très gros. Et on va aussi pouce bleu si vous n'avez pas compris. On va aussi faire du très gros. Et je vous annonce tout de suite que la prochaine vidéo qu'on va tourner tout de suite, mais qu'on va pas que vous venez pas, pas au courant. Et ben c'est une réception de colis, de beaux colis. Donc voilà, la prochaine vidéo, vous allez voir une réception. On n'a jamais fait sur la chaîne et j'espère que vous allez kiffer. Voilà. À plus tard. À plus tard. Bisous. Yeah.